Bonjour, bonjour, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais maintenant le second tirage que je voulais vous faire sur une montée de la violence en France. Alors, en Allemagne, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'on entend de plus en plus de faits divers, on appelle ça comme ça, hein, de personnes qui sont poignardées dans la rue, dans leur université, enfin, que sais-je, voilà, ça, dans la gare aussi, ouais. Ça devient un peu trop habituel. Donc, je voulais savoir pourquoi, s'il y a des raisons, s'il y a une raison. Pourquoi cette montée de la violence? Est-ce que les gens deviennent fous? On va regarder. Alors, est-ce que le Divine Actu veut bien me répondre à ce sujet? Alors, il y a armes chimiques bactériologiques qui sort. Et les rats. C'est amusant que les deux sortent quand même. Hein. Alors là, armes chimiques bactériologiques et les rats. Ouais. Curieux. Ça voudrait dire que finalement, il y a peut-être une expérience qui a été menée. On va regarder. Alors, pourquoi une montée de violence comme ça en France? Pourquoi est-ce que ouais, les gens deviennent de plus en plus agressifs, sans raison d'ailleurs. Ils deviennent hystériques. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Amitié, fidélité. D'accord, ça c'est une belle carte. Les transports publics, ouais. L'intelligence artificielle, je pense qu'il va faire là. Circulation. Tiens, c'est marrant, on a deux fois les cartes de train, métro, circulation. On va regarder, il y a peut-être justement davantage de risques dans les circulations, les tunnels, le métro. Et là, j'ai amitié, fidélité. Ben, on va regarder. Alors, moi, ma question, c'était pourquoi y a-t-il recrudescence? Alors, intelligence artificielle, est-ce qu'il peut y avoir une influence, par exemple? Ok. Bombe, attentat. Alors, effectivement. Amitié, fidélité, bombe, attentat. Ouais, ces deux cartes ne vont évidemment pas ensemble. Donc, on y voit plutôt la moi, je vois plutôt la destruction des valeurs de gentillesse, quoi. Tout simplement, hein. Des gens qui sont là pour justement détruire toutes les valeurs d'amitié, de fidélité, enfin, plutôt amitié, je dirais, les valeurs amicales, les valeurs sociales. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Avion, voyage lointain, ouais. Ah, décidément, conflit militaire, décidément, et colère. Ah ouais, ça c'est curieux. Alors, attendez, là, on a des choses intéressantes. Là, sur la circulation, le tunnel, le trafic, il y a la colère. Donc déjà, les gens qui sont dans les voitures, par exemple, sont plus agressifs. Bon, bah vous le direz si vous avez remarqué, hein, moi je prends pratiquement pas la voiture, donc puis comme je suis dans un trou perdu, de toute façon, c'est plutôt pour les grandes villes, ça, il y a de la colère. Les conflits, alors on peut y voir évidemment les conflits. Mais pourquoi intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça va faire là, avec les conflits? L'avion, les voyages lointains, il y a des choses bizarres. Moi, j'étais en train de dire, pourquoi y a-t-il recrudescence de la violence? Et c'est vrai que la violence, il y en a une là, une là, une là. C'est quand même curieux. Pourquoi est-ce qu'il y a de la colère dans les trafics? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient faire là? C'est encore les conflits, la colère, vous voyez? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient faire là-dedans? Là, j'ai les voyages et encore les transports publics. Et là, il y a des gens, effectivement, qui font des attentats. Oui, effectivement, les attentats, bah, c'est des attaques. Hein, les attaques au couteau, pour moi, c'est un attentat. Hein, absolument. Sur l'automne. Bon, bah, il me dit qu'il y en aura encore un sur l'automne. Qu'est-ce qu'il y a, on a ici? Église Vatican. Qu'est-ce que ça vient faire là? Il y aurait des questions de religion. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Ah oui, je ne l'ai pas sorti encore cette carte-là. Il y a les ondes. Apparemment, les ondes. Alors, les ondes et l'intelligence artificielle. Ça, ça va bien ensemble. Hein. L'intelligence artificielle et les ondes provoquent des conflits. Ok. Donc, ça veut dire que les gens seraient sensibles aux ondes et ça les rendrait agressifs. Ah, bah regardez ce que je viens de sortir. Ouais, bon. D'ailleurs, c'est bien qu'on en parle parce que regardez moi ce que je porte. Je porte ce petit bracelet là. C'est marqué bodyguard, donc garde du corps, quoi.
En fait, vous voyez, c'est des pastilles, comment vous dire? C'est toute une méthode, hein. Bon, je ne saurais pas trop vous expliquer, mais c'est une méthode qui est basée sur le déphasage. Comme évidemment, j'utilise mon smartphone comme tout le monde, hein. Eh bien, cette méthode de déphasage, pardon, permet, alors intégrée évidemment dans un petit bracelet comme ça, permet d'atténuer fortement les ondes nocives venant des ordinateurs et des smartphones. Et de ça. Donc, ce que je suis en train de vous sortir ici avec mon Divine Acture, je vais vous montrer quand même, hein, que vous voyez, j'en ai quand même beaucoup, voilà. Il est là, mon Divine Acture, vous voyez, toutes les cartes, hein, ok? Eh bien, il me dit que les gens, du fait de l'influence des ondes, puisqu'on l'a sorti ici, là, l'intelligence artificielle, c'est pareil, hein, c'est l'ordinateur, hein. Donc, les ondes, les ordinateurs, les smartphones, tout ça, ça rend les gens en colère et ça provoque des conflits. Alors, notamment quand il y a beaucoup de monde, puisque les gens sont nombreux, bah, justement, dans alors, circulation, tunnel, trafic, mais en fait, dans la circulation, on va dire. Et aussi quand ils prennent les transports en commun, parce qu'il y a une concentration d'humains. Concentration d'humains, concentration d'ondes. Là, on a aussi les questions de voyage, de transport. Donc, c'est plutôt dans les déplacements, dans les transports, que les gens pètent les plombs. En gros, en d'autres termes, hein, du fait de la nocivité des ondes qui proviennent donc de la 5 machin et de la 6 machin, voilà, faire attention à ce qu'on dit, des smartphones, des ordinateurs. Et que ceci, ben, provoque des attentats et qu'il y en aura d'autres également sur l'automne. Donc c'est la nocivité des ondes. Ben, je sais pas trop où est-ce qu'ils en sont au niveau de l'installation de la 5 machin, 6 machin, je sais pas. Mais s'il y a davantage comment on appelle ça? Ces trucs-là. Ouais, j'ai pas je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est des poteaux, enfin, on sait rien, qui sont installés. S'il y en a davantage qui sont installés, ben, à mon avis, ça influe beaucoup, beaucoup les gens. D'où la nécessité de se protéger, hein. Alors, ce petit bracelet-là, je sais plus combien il coûte, 14 euros, un truc comme ça, peut-être 15 euros, je sais plus. Peut-être moins. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Bon, évidemment, moi, je l'ai commandé chez le monsieur qui a déposé un brevet pour sa méthode de déphasage. Il y a deux pastilles, hein, voilà. Mais il y a peut-être d'autres méthodes, hein. Il y a les pierres de Schongit. Alors j'en porte une aussi, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la Schongit. Enfin, je voyais bien. Voilà. Donc je le porte en pendentif. Donc ça protège aussi. Vous voyez, j'ai double protection. Comme je passe mon temps sur les ordinateurs, parce que je suis astrologue, donc c'est sûr, hein. Et c'est vrai que bah, je n'ai pas l'impression de péter les plombs, je dois dire. Je n'ai pas envie de prendre un poignard et de poignarder mon voisin. Même si je suis avec les enfants et que de temps en temps ils sont énervants, mais ça va, quoi. Non, petite blague à part, hein. Mais c'est vrai que tout le monde devrait se protéger. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui fait que les gens pètent les plombs, et c'est les ondes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose encore? Ouais, regardez, crimes et violences. Ouais, donc ça va augmenter, hein. C'est amusant qu'elle sorte celle-là. Ouais, donc c'est vraiment ça, hein. Bon, la Suisse, je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans. Ok. Ah oui, il y avait le forum là-bas. Ah oui, il y avait le forum là-bas. L'eau. Ah, il m'est en train de me parler d'autre chose là. Ok, est-ce qu'on peut bien rester, s'il te plaît, sur le sujet? Là, c'est le forum de machin, là, vous savez, des dévots, comme j'ai dit. Ils sont en train de faire des plans à propos de l'eau, hein, je vous le dis, hein. Bon, je vous ai déjà dit au niveau de la nourriture, mais ils vont nous enquiquiner avec l'eau après. Bon, ok. Petite information comme le truc qu'il a lu en Suisse, voilà. Bon, est-ce qu'il y a encore autre chose que tu veux me dire, je sais pas moi, sur la violence, ou est-ce que c'est que ça et t'as fini? Ah, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Ou alors il fallait que je tire la carte de Caligula. Non mais je rêve. Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Qu'est-ce que tu viens nous enquiquiner? T'es toujours en Espagne ou pas là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire là, lui? Ah ouais, ça c'est curieux. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce que cette carte-là va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il a en tête, lui? Vous voyez, quand il regarde comme ça, c'est qu'il prépare un mauvais coup, là. Et c'est en relation avec le DNA. Je vois pas pourquoi, mais il y a un truc. Alors, qu'est-ce que les questions de DNA viennent faire? Ah, attendez. Qu'est-ce que les questions de DNA viennent faire? Ah ouais. Donc, il est accompagné de sa copine. Moi, bon, je pense que c'est la borgnette, hein.
Il nous prépare un mauvais coup, tous les deux. Oui. Ouais, délation. Bon, alors, petite information dans mon tirage. Ces deux-là sont en train de nous préparer une loi pour inciter les gens à dénoncer autrui. Voilà. Vous voyez, en fait, si vous voulez, quand on fait de la voyance, on capte des infos. Donc, j'en ai capté une ici avec l'eau et le forum des dévots. Et je viens d'en capter une autre. Hein, des informations comme ça dans l'air. Donc, ils vont nous faire un truc à la Big Brother. Hein. OK? Je vous le dis comme ça. Donc, apparemment, là, sur les ondes, il m'a tout dit. C'est bien les questions des ondes. Mais pourquoi est-ce que ça influe sur certaines personnes? Et c'est marrant parce que, vous voyez, il y a le DNA. Ça doit... alors attendez, est-ce que ça provoque aussi des problèmes au niveau du DNA dans l'autre sens, hein? Je sais pas pourquoi ça sort, mais il y a un changement qui se fait, hein, à l'intérieur des gens. C'est marrant ça. Ah oui, je vous ai pas expliqué l'Église et le Vatican là. Tiens, bah c'est simplement parce que, à mon sens, hein, il va y avoir de plus en plus de crimes et de violences en relation avec les églises. Ouais. Ça va devenir un vrai, enfin, c'est déjà un problème. Sauf qu'il est occulté, c'est qu'elle le dire. On n'en parle pas, quoi. Il y a une ligne ou deux dans les journaux, et puis c'est tout. Alors que c'est un problème qui est extrêmement grave. Parce que le tirage que je vous ai fait juste avant, je vous avais dit, en fait, si vous regarderez si vous voulez, mais qu'à la fin, pour moi, l'Europe va passer sous le contrôle étranger. Voilà. Et un contrôle étranger qui sera contre les églises. Je n'en dirai pas plus. D'où la violence qui va augmenter contre ces monuments-là. Ok. Bon, on se comprend à demi-mot, hein. Faut que je fasse attention à ce que je dise. Alors, est-ce qu'il y a une population particulière qui est sensible aux ondes? Parce que c'est quand même curieux. C'est quoi ça? Arrivée, ouverture. Il y a un portail qui s'ouvre. Ah bon? Une porte qui s'ouvre. Arrestation, force de l'ordre, ok. Alors ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ont été libérés. Ouais, c'est aussi pour ça qu'il y a une recrudescence de violence. Ça, c'est une deuxième information. C'est qu'il y a des gens qui sont sortis de prison. Qu'on a laissé sortir. Qui avaient été arrêtés et qu'on a laissé sortir. Qu'on a laissé sortir, pardon. Et ces gens-là aussi, eh bien, ils vont replonger dans la violence et dans le crime. Donc attention, hein, moi je dis toujours, hein, les femmes, il faut qu'elles s'arment, qu'elles apprennent le Krav Maga, mais ça coûte super cher. Hein. Donc c'est plus facile finalement d'avoir un petit truc sur soi pour se protéger, parce que les femmes, elles sont plus faibles, c'est comme ça, c'est physique. Point. Il n'y a pas de discussion possible. On n'est pas faites pour combattre, sauf si évidemment, on fait un sport de combat. Mais sinon, à la base, on est quand même plus faible. Hein. Donc bah, il faut s'armer. Alors... Ça, c'est une première information. Donc, une certaine catégorie de population criminelle qui va être relâchée. Hein, j'avais demandé si ça ciblait une certaine catégorie. Donc, oui. Les singes, qu'est-ce que ça va faire là? Donc, c'est des gens qui font n'importe quoi, peut-être. Hein. Ou alors des ados, pourquoi pas. Alors, il y a la question de poison qui a été pris. Ah, ok. Ok. Ah, je ne voulais pas sortir encore ça. Bon, ça veut dire que les gens... Ah, les singes, c'est aussi des expériences, hein, de ballot. Les gens qui ont pris un certain poison sont plus sensibles que les autres aux ondes. À mon sens, hein, je viens de faire la jonction entre les deux. Ouais, on va redemander. Alors, sexualité, luxure, infidélité, d'accord. On va regarder pourquoi il y a ça. Dirigeant politicien. Encore lui, c'est toujours le même, hein. Ouais. Mais là, c'est autre chose que je vois là. C'est les agressions. Là, c'est les agressions, comment dire, SEX, machin, voilà. C'est ça que je vois. J'étais en train de parler des femmes qui fallait absolument qu'elles se protègent. Attention aux femmes, hein. Elles doivent absolument, vraiment, vraiment faire très, très attention. Elles sont vraiment en danger, hein. Ouais, ce sont des victimes faciles, les femmes. Parce que pour les raisons que j'ai évoquées avant, c'est qu'on est plus faible. Tout simplement. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire là, le dirigeant politicien? Moi, j'ai l'impression qu'il le sait.
Ouais, alors lui, éducation, école, ouais. Sincérité, amour, confiance. Ouais, bof, pas vraiment, hein. Je continue de sortir les cartes. L'ONU, ça vient faire là. Je sais pas. Il y a autre chose après qui ressort. Il y a autre chose après qui ressort sur le dirigeant que l'on connaît, qui va aller s'occuper de l'éducation. Il est possible d'ailleurs qu'il y ait ça en même temps, hein, puisque j'ai la sexualité. Bon, c'est pas impossible aussi, hein. L'une explication n'exclut pas l'autre, pardon. Avec sincérité, amour, confiance, ouais, ça. Voilà. Donc il va y avoir encore du bourrage du crâne. Au niveau de la perversion des enfants. Mais je voulais rester sur le poison, moi. Est-ce qu'il y a autre chose d'information à dire là-dessus? Nucléaire, non, bah. Nucléaire, ça fait penser aux explosions. Ouais. Bon, alors reprenons. On a plein d'informations en fait. Donc faut que j'arrête là parce qu'après ça ne va plus rien dire. On a une certaine catégorie de population qui est sensible aux ondes, notamment par le biais donc, des ondes 5 machin, 6 machin, ok? Les smartphones, de l'intelligence artificielle, donc de l'ordinateur, et ça provoque la colère. Ça les rend agressifs. Ce qui provoque une recrudescence de crimes et de violences. Apparemment, ce serait plus les personnes qui auraient pris le poison. Bah, le poison, à vous, je vous l'ai pas dit. Bah, je pense que c'est l'injection, hein. C'est le poison, j'en vois pas d'autres, moi. Hein. Donc, c'est cela. Puisque c'est en relation avec les ballots, les singes avec les expériences. Hein. Expérience de ballot qui a conduit le poison. Donc, les gens qui, malheureusement, ont pris les doses de soupe sont peut-être plus sensibles aux ondes et pètent davantage les plombs, par exemple, par rapport à ça. Alors, quand on sait ce qu'il y a dans le truc qui fait mal, c'est vrai que c'est logique. Bon, si vous savez pas de quoi je parle, vous pourrez aller faire vos recherches. D'où, effectivement, les histoires de DNA, parce qu'on sait que ça change le DNA. Je vais juste parler comme ça, hein, vous lirez la carte. Et donc, et aussi, surtout, quand il y a une concentration importante de personnes. Alors, circulation, donc effectivement, dans les gares, sur les autoroutes, pourquoi pas, hein, ou en tout cas, peut-être dans les aéroports, enfin, là où il y a plein de gens. Donc, ça va conduire à une recrudescence de violence et à des attentats. Bon. Ensuite, parallèlement à ça, il y a aussi des gens qu'on a laissés sortir de prison et qui vont replonger dans la violence. Donc il y a bien finalement des explications rationnelles au fait que la violence se développe. On en a deux. Je vous en ai donné deux. Et que, en plus, il va y avoir de plus en plus les églises et tout qui vont être attaquées. Alors, cette fois, ce serait pour d'autres raisons, mais ça ressort. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Une dernière carte pour finir. Le druide et les magiciens. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire là, eux? Ah, tiens, ça fait drôle. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire là, eux? Alors, les druides, les magiciens et j'ai l'Olympique de Marseille. Avec le S à la fin. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire là? Ils ont quelque chose à voir là-dedans, hein? Ah ouais, carrément. Oh là! Alors là, je vous donne encore une autre information très importante, c'est que ils vont nous espionner. Hein. Ils vont nous espionner. Alors, comme j'étais en train de parler de l'injection, moi, ça m'étonnerait pas que quelque part, les gens qui l'ont pas pris soient espionnés ou qu'il y ait des données à ce niveau-là. Donc, ils doivent savoir exactement qui a pris la soupe et qui n'a pas pris la soupe. Ben, on est bien parti, dites voir. Hein. Alors après, j'ai grève et manifestation. Bon, ben, ça, c'est sûr, on le sait. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire, l'Olympique de Marseille, là? Ah, ben tiens, quand je vous dis, hein. Voyez où est-ce que c'est, dans quel pays c'est? Donc, on est bien, on est bon, on est bien sur le sujet. Et alors? Femme de pouvoir. Ah, ben, elle n'est toujours pas partie, celle-là. Ça, c'est la deuxième. On avait la Bornette tout à l'heure. Et là, on a la Ursulette. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, celle-là? Depuis tant qu'elle devrait dégager, mais... Crise d'inflation, oui, d'accord. Okay. Ah, il nous donne de toutes les informations là. Et victoire célébration. Ah bon, pourquoi? Ah ouais. Ça fait partie de leur plan, tout ça. Hein. Tout ça, ça fait partie de leur plan. Ouais. Pour l'instant, ils gagnent.
Ils gagnent parce que ce qu'ils ont voulu faire, c'est aussi provoquer de la violence, avec ce que je vous ai expliqué juste avant. Et ils voulaient aussi provoquer de la crise et l'inflation, et les doutes et les incertitudes de la population. Donc la victoire, pour l'instant, elle est sur eux. Hein. Les grèves, manifestations, ils le savaient aussi. Tout ça fait partie de leur plan. Et qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Là, je sors un peu de la tempête. Ils veulent déchaîner la tempête. OK. Pourquoi? Et l'agressivité. Vous voyez, c'est fou, hein? Donc en fait, tout ça fait partie du plan. Tout ce que je vous ai dit avant, le poison, les ondes, l'agressivité, la violence, la crise, l'inflation. Tout ça fait partie de leur plan. Ils veulent déchaîner la tempête et l'agressivité. Attendez, je vais reprendre un petit peu mon divine actu. Ok. Et pourquoi? Attendez, hop, je bouge la caméra. À quoi ça va aboutir tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Arriver au troc. Donc ça, c'est la fin de l'économie, hein. Stop. Donc, ils veulent arriver à la fin de l'économie, ils veulent arriver à la fin de quelque chose. À la fin d'une société, hein, je pense. Hein. Mais on va le savoir, ou en tout cas, on va le comprendre. On va le comprendre. Alors, ils veulent arriver à la fin de l'économie, donc pour mettre, bah oui, pour mettre le code reset, m'a dit, enfin, évidemment, évidemment, évidemment. C'est ça le but, on le sait, on connaît leur but. Vous voyez? Tout ça, c'est avec les petits copains de l'Antarctique, les petits reptiliens là-bas. Puis il y avoir certaines personnes aussi plus âgées qui font partie de la conspiration, quoi. On le sait tout ça. C'est ça qu'ils veulent. Ouais, alors on a quand même un espoir. C'est marrant, j'ai les deux papillons qui sont sortis. On a quand même un espoir de libération. Regardez. Qu'est-ce qu'il va faire là, celui-là, le Varan? J'arrête de sortir des cartes parce qu'après, ça va plus vouloir rien dire. Le printemps. Alors, printemps 2023, on a le Olivier Varan qui va faire une annonce. Qu'est-ce qu'il va faire là, celui-là? Ah bon, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Oups, c'est sorti de carte. La conquête de l'espace. Bon, je sais pas. On va peut-être laisser là, parce qu'après, il me parle d'autre chose. Il me parle de conquête d'espace, de voyage, bateau océan. Ouais, ok. Mais vous voyez là, après, j'ai pas d'autres cartes. J'ai vérité, révélation, espoir, libération. Et après, j'ai pas d'autres cartes. Mais ce qui est sûr, c'est que là, tout ça, c'est voulu. Alors, le Great Reset aura-t-il lieu? Ah, il y a Elon qui sort. Mais toujours, faut qu'il se la ramène toujours, celui-là. Hein. Ouais, bon, bah, ça veut dire que c'est un acteur important. Hein. Ok. Ben oui, parce qu'il a quand même son petit oiseau bleu, donc qui fait tweet-tweet et qui nous apporte plein plein d'infos. Hein. C'est vrai que ça réveille les gens. Hein. C'est exactement ce que j'ai vu en astrologie, moi. Ouais, regardez, Mediapropa. Vous voyez? Il combat ça. Il combat ça. Ouais. Monnaie numérique. Ouais, ça arrive. Le sport, ouais, ça va être du sport. Bon, après, je partais d'autre chose avec une rousse. Ok. On va reposer les questions, alors. Donc, le Great Reset aura-t-il lieu? Alors, on va dire que dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir la monnaie numérique parce qu'elle est sortie. Et que, ici, vous voyez le troc, c'est que quelque part, au niveau de l'économie, les gens vont commencer à s'échanger. Ce genre de choses. Je te donne une botte de carottes, tu me donnes des pommes de terre. Enfin, là, c'est autre chose, mais enfin, bon. Il va y avoir des choses comme ça, parce que moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un gros truc financier. Donc, avant que la monnaie numérique soit mise en place, parce que ça met du temps, quand même, on en sera réduit là. Hein. Ouais. Ok. Bon, voilà. On va peut-être arrêter là, parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de cartes. Mais, en plus, j'étais partie sur les trucs de violence, et je me retrouve avec les histoires de monnaie numérique. C'est comment ça va être résolu le problème de violence du coup? Ben, je sais pas, hein, j'ai pas la solution moi. Le froid, ouais, ça aussi. J'ai pas la solution, hein. Radioactif, ouais, non, bof. J'ai pas la solution pour le problème de violence. Il n'y a pas de solution. Hein. C'est à chacun de faire attention. Après, il me redit il va y avoir des problèmes de radioactivité et de froid. Donc, on est reparti encore sur un autre sujet. En tout cas, le début des cartes était intéressant, je trouve.
Vous réécouterez la vidéo si vous voulez, parce que j'ai donné plein plein d'informations. Mais le plus important, à mon avis, c'est ça. Et puis le poison. Donc la carte qui est quelque part en dessous. Si vous la retrouvez. Voilà, ces deux ensemble. Les gens qui ont pris le poison sont plus sensibles aux ondes, tout simplement. Et du coup, ben ça les rend agressifs, hein. Alors attention, hein, chers amis, hein, si vous avez pris la soupe, c'est pas forcément vous, hein, mais pour moi, il y a une catégorie de la population qui a pris la soupe et qui est plus sensible. C'est peut-être les gens qui n'ont pas un niveau de conscience très élevé, hein. Ça c'est possible, hein. Les gens qui sont sur ma chaîne et qui ont pris la soupe souvent, c'est quand même des personnes qui ont un certain niveau de conscience, puisque sinon ils seraient pas sur ma chaîne. Donc quelque part, moi je dirais que ça les protège, ça vous protège. Donc vous inquiétez pas. Mais les autres personnes qui vibrent à un taux assez bas, on va dire assez matériel, hein, bien eux à mon avis ils risquent vraiment de péter les plombs. Hein. Ouais. Moi je pense, hein, j'avais aussi une carte d'agressivité que j'avais sortie tout à l'heure. J'avais sorti ça et j'avais sorti le DNA. Elles étaient sorties relativement tôt dans le jeu. Vous voyez, c'est toutes ces cartes-là ensemble, on comprend ce qui se passe, hein, avec l'expérience dans les ballots. Voilà. Qui a fait ceci. Ceci qui est activé. Eh bien, ça provoque le réveil, la colère, l'agressivité, surtout dans les transports, d'où le crime, la violence et les attentats. Alors, les attentats, c'est pas que la bombe, hein. C'est les attentats, c'est aussi quand on poignarde une personne innocente. Voilà, donc il faut se protéger. Voilà, avis. Bon courage à tout le monde et puis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.